Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans mon véhicule pour vous expliquer un petit peu le tableau de bord. Alors c'est vrai qu'il y a, plein de boutons, donc aujourd'hui je vais vous dire à quoi sert chaque bouton dans le cockpit sur la machine. On a deux tableaux de bord, donc on a le tableau de bord on va dire un peu d'origine avec les quatre roues, le blocage de pont, on voit si le buggy est en 4 roues motrices ou en 2 roues motrices. On a la vitesse de pointe, on a les degrés, on a les tours moteurs. Ensuite, on a le deuxième boîtier ici avec la température de la courroie, parce que c'est la courroie qui emmène le véhicule. On a les tours moteurs qui sont ici, la vitesse GPS, donc c'est-à-dire qu'on a la vitesse compteur GPS et là on a la vitesse du compteur de la voiture. Donc ces deux vitesses qui sont différentes parce qu'il y a toujours un petit décalage. Et après, on a la température d'eau du moteur qui se trouve là. Ensuite, on a l'override. Alors, qu'est-ce que c'est l'override? C'est un bouton qui nous permet de faire une marche arrière rapide. C'est-à-dire qu'en marche arrière, on est toujours un petit peu limité. Alors que là, si on reste appuyé sur le bouton, on peut aller en vitesse max. Après, évidemment, on a le blocage de pont, 2 roues motrices, 4 roues motrices. On a la direction, on peut resserrer un petit peu la direction. Ensuite, on a le boîtier pour la partie ventilo. Donc, on a le ventilo de la courroie. Après, on a le ventilo du moteur. Ils se mettent automatiquement, on va dire, en marche à une certaine température. Mais parfois, on préfère les mettre en route directement avant de rentrer dans la spéciale. Ensuite, on a le bouton pour la liaison radio, pour parler avec mon copilote. Évidemment, l'essuie-glace. Alors, sur mon buggy, j'ai un boîtier qui me permet d'avoir des limitations de vitesse. Avec des limitations de vitesse à 30 km/h, 50 km/h, 90 et 135. Donc, c'est... on change, hein, y a juste à tourner le bouton et ça me permet de réguler le moteur. Parce que voilà, sur le Dakar, faut pas croire, mais il y a tout de même parfois des limitations. Et si on dépasse un petit peu la limitation, on a des pénalités. Et donc moi, avec mon handicap, c'est quelque chose d'important. Car parfois, bah, je mets des à-coups et j'arrive pas à tenir la vitesse constante. Et donc avoir le régulateur, ça me facilite. Comme vous le savez, voilà, c'est un sport qui reste tout de même dangereux. On a beaucoup de sécurité, notamment l'extincteur qui se met en route automatiquement s'il y a un petit peu trop de chaleur dans le cockpit. Mais aussi, on peut le mettre en route manuellement en appuyant ici. Donc on va éviter d'appuyer aujourd'hui. On a aussi une double pompe sur le buggy. Donc... une pompe à essence gauche, une pompe à essence droite, voilà, ce qui nous permet d'en avoir une au cas où, s'il y en a une qui tombe en panne. Et après, toute la partie jauge, avec une jauge ici, une jauge de réserve, et après la partie contact, coupe-circuit. Pour ma part, avec mon handicap, j'ai aussi une petite lumière qui éclaire la nuit mes pédales, parce que je ne sens pas mes pieds. Et j'ai aussi un système pour éteindre le blocage de frein. En fait, quand on accélère et on freine en même temps, normalement, le véhicule se coupe, comme un peu comme en karting, pour ceux qui font un peu de kart. Et là, en fait, on enlève la sécurité pour que je puisse rouler avec le pied sur le frein, parce que voilà, c'est une technique différente des autres pilotes avec mon handicap, donc j'ai réussi à trouver des solutions. Et donc là, on a ce bouton qui sert à ça. Alors, on a ensuite, évidemment, les radios, hein, la radio reliée directement à la batterie, la radio de réserve qui est sur pile indépendante. Et aussi, on a quelques trappes, voilà, des petits tips là qui nous permettent d'avoir de l'air qui rentre dans le véhicule parce que la poussière parfois stagne. Donc, en ouvrant cette trappe, ça nous permet d'évacuer un petit peu le sable qui parfois peut stagner tout au long de la journée.